Oh, 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 oh. Joyeux Noël. Vous avez hâte de réunir votre famille autour d'un délicieux repas et de voir tous ceux que vous aimez se réjouir en découvrant leurs cadeaux. Quelle chance de pouvoir les gâter. On est riche seulement de ce qu'on donne. Cette année, votre générosité peut traverser les frontières et apporter de la joie jusqu'en Syrie et en Irak. Savez-vous qu'un cadeau pour vos proches est peut-être un cadeau pour Daesh ? C'est ça le miracle de Noël. Notre cause est financée en partie par des dons provenant du Qatar, du Koweït et d'Arabie Saoudite, qui nous permettent de doter chaque année nos combattants de 20 000 AK-47 flambant neufs. Ces monarchies pétrolières investissent massivement via leurs fonds souverains et de riches investisseurs dans de grandes marques françaises. Luxe, maroquinerie, mode, sport, médias, immobilier ou énergie. Et laissent certains de leurs ressortissants financer nos frères djihadistes en toute tranquillité. Une part importante de nos flux financiers vient aussi d'États plus proches de nous, comme la Turquie, où les frontières avec la Syrie et l'Irak sont si poreuses que la contrebande de pétrole et de coton est une formalité. Chaque année, la revente de ce coton à l'industrie du textile représente plus de 10 000 lance-roquettes au pied du sapin. Comme vous le voyez, nous dépendons de ces États pour que nos soldats soient mieux équipés, notre organisation mieux structurée et que nos actions aient plus de portée. Alors pour Noël, choisissez des cadeaux bien ciblés. Offrez des vêtements, un sac à main ou un billet pour un match de football. Car aussi longtemps que ces grandes marques n'exigeront pas une action offensive et la transparence des États qui les financent, nous ne craignons que Dieu. Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Aidez-nous à pousser nos politiques et nos entreprises à faire pression sur les États rendus complices du financement du terrorisme djihadiste. Signez la pétition.